Monsieur, bonjour et bienvenue au Coliseum Roberto Clemente de San Juan de Porto Rico, où la liaison son ne sera pas facile puisque nous travaillons au téléphone. Il y a des problèmes de satellite comme partout dans le monde et nous allons tout de même vivre cette première journée des championnats du monde de gymnastique par appareil à quelques 80 jours des Jeux Olympiques d'Atlanta. On peut dire que c'est un rendez-vous important pour la gymnastique mondiale et la gymnastique française en particulier, puisque de nombreux athlètes français se sont qualifiés pour les finales. Ils sont 6, mais nous n'en verrons aujourd'hui que 4, puisque un Français, Thierry M, va disputer la finale du sol. Deux Français, Éric Poujade et Patrice Casimir, disputeront la finale du cheval d'arçon. Et puis lorsque nous aborderons les finales féminines, surtout aux barres asymétriques, nous aurons le plaisir d'apprécier Isabelle Severino et Elvire Teza. Actuellement donc, la première finale de ces championnats du monde 1996 par appareil va mettre aux prises 8 candidats pour le titre mondial au sol, alors que vous appréciez ici le ralenti du Bulgare Ivan Ivanov. Et c'est en compagnie de notre consultant habituel, Michel Boutard, que nous allons disséquer les principales évolutions de cette finale.